Yo tout le monde, c'est Christian, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve sur un mission détente top 5 kill on Battlefield 3 et 4. Donc on commence par Zarkus 1984 qui va nous offrir un multi-kill à la grenade dans Opération Métro et sur PC. Donc c'est sur Battlefield 3 et non sur Battlefield 4. Donc hop, il jette sa grenade, il en tue 2, 3, 4, 5. Il en tue un 6ème, puis un 5ème. Un 8ème, un 9ème, un 10ème, un 11ème et un 12ème. On dit un gros GG quand même à lui pour une grenade, même si ça reste sur Opération Métro et que tout le monde sait que c'est du full grenade sur cette map, du full aussi RPG et M320. Enfin, vous savez très bien que c'est que du lanceur et de la grenade dans cette map. Enfin, en tout cas, 12 kills à la grenade, c'est quand même c'est quand même bien joué en tout cas. Il va finalement se faire tuer au M320 en plein milieu. Donc, Ensuite, la quatrième place revient à Tasty Flying Elk, qui est un joueur de PC et qui nous propose un petit kill sur Battlefield 4. Vous allez voir, il commence à l'hélico. Rassurez-vous, il ne fera pas ses kills à l'hélico. Vous allez vous rendre compte très rapidement. Donc, il se promène sur zone inondée, puis repère un petit groupe de joueurs ennemis. Il les blesse un petit peu à plein air. Puis il se met donc il change de place, il se met en passager, il sort le C4 pour se faire un petit kill en plus. Hop, il sort de l'hélico, bam, il fait péter son hélico, il tue un joueur. Il sort le snipe, hop, en autoscope, il tue un deuxième joueur. Puis son pistolet, troisième joueur, hop là. Donc il galère un petit peu pour le premier. Troisième, vous voyez qu'il y a un petit snipe qui lui court après au passage. Là, ça va être le quatrième, hop là. Le cinquième, bam. Il y en a même un joueur qui passe derrière qui s'est pris une balle perdue dans la tête, donc ça fait 6 joueurs. Et là c'est le 7ème. Et voilà, au coup de couteau. Donc il nous a fait un petit 4 pistolets, un coup de couteau, un sniper et un C4 sur PC. Ensuite on passe à BDW qui est un joueur de PS3 et qui nous propose un petit kill anti-air donc au sniper. On va voir, il réapparaît sur balise tranquille. Hop, il le voit donc il va essayer déjà un peu de tirer. Voilà, il voit, il vise. Finalement il va tirer en noscope, voilà, bam. Bam, et il le touche, et il tue le pilote, il va essayer quand même de prendre l'hélico même s'il n'y arrivera pas. Ensuite on enchaîne sur Tortank Nitro qui est un joueur de PC qui nous propose un multi-kill au snipe sur Opération Métro sur Battlefield 3. Donc c'est parti, donc c'est un petit passage de son montage. Donc un joueur OG18, hop là, il sort le M40 avec lunettes 3-4 je crois. Deuxième joueur, troisième joueur, là il va donc toucher. Tuer même 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs, donc ça fait 8 joueurs, 9 joueurs, 10 joueurs. Hop là, donc là il va avoir le 11ème joueur qui revient. Hop là, il recharge tranquillement. Il se remet en place, là ça a apparu. Bam, il va tirer 12ème joueur. Et voilà, il se fait tuer à la fin, bah, il a tué 13 joueurs carrément. 13 joueurs, un grand chapeau à lui, un grand GG. Voilà. Ensuite on enchaîne sur le premier donc du classement Bombino Sniper qui est un joueur de PC et qui nous offre un petit anti-air au snipe sur Route de la Soie, donc sur Battlefield 4, donc il sort de son avion de chasse, bam, il touche le pilote de l'hélico adverse et il récupère son avion de chasse, ce qui est vachement surprenant je trouve, c'est ce qui lui vaut la place numéro 1 de ce top. Voilà. On voit un petit ralenti, bam, on touche et boum, ça traverse le cockpit et ça touche le joueur adverse. Et à la fin, petit coup de parachute et il récupère son avion et on repart à la chasse. Je vais vous dire de mettre un petit j'aime à la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si c'est pas déjà fait, de laisser un commentaire. Si vous voulez participer, regardez la description, ça vous expliquera comment participer donc à ces top 5. N'oubliez pas, je fais un top 5 sur tous les FPS possibles, donc Arma, Battlefield, Call of, Counter-Strike, enfin voilà, vous m'avez compris.